तालिबान काबुल में आए थे उसी रात मेरी बहन ने अपने बेटे को जन्म दिया था। लोगों की छोटी छोटी बच्चियों से शादियां कर रहे हैं, वही उसे कत्ल कर देते हैं, जैसे उनका खानदान। पता नहीं किस दिन ये हमारे दरवाजे पर आ जाएंगे। ऐसे वक्त में मैं सोच कर भी हवास पाख्ता हो जाती हूँ। ऐ मेरे रब, तीन रोज से एक ही दाल की कटोरी पे मेरा पूरा खानदान गुजारा कर रहा है। डर लगता है कि उन लोगों के आने से पहले कहीं भूख ही ना हमें मार दे। बेचारे का क्या मुस्तकबिल होगा, ना अपने मजहब को समझ सकेगा ना औरत की इज्जत को। हाय, वो छोटा सा बच्चा, उसके मुस्तकबिल में अभी बहुत कुछ पड़ा है। उसी ने हमें बेशक मुश्किलें बर्दाश्त करने को बुलाया है। जब उन्होंने मसीह को नहीं छोड़ा तो हमें कैसे छोड़ेंगे। À ce moment-là, la température était à son maximum. Je vous dis la vérité, plus que le manque de nourriture et d'eau, le plus grand défi était le climat. C'était un désert comme le Sahara, difficile d'y survivre. Pendant toutes ces années, le gouvernement m'a emprisonné à cause de ma foi. Je n'avais aucun autre chef d'accusation. Quand ils m'ont arrêté, ils m'ont mis dans une cellule de 2 mètres sur 1. Pendant des mois, je suis resté là, dans cette pièce étroite. Il n'y avait pas de fenêtre. Je ne savais pas quand le soleil se levait ou se couchait, ni l'heure qu'il était. On se faisait appeler au moment où on s'y attendait le moins, et on se faisait battre. Puis, on m'a emmené dans un autre camp de prisonniers appelé Mitter. C'est un endroit extrêmement chaud. Il y fait 38 à 40 degrés. Je devais ramasser du bois, des pierres, travailler à la construction de maisons. Nous étions traités comme des esclaves. Par tous les moyens possibles, ils essaient d'épuiser votre corps, votre esprit et votre santé. La seule chose qu'ils font est de vous menacer. Ils vous demandent de renier votre foi et de la haïr. Honnêtement, la tentation a été très difficile. C'était extrêmement dur de répondre à cette demande. Cependant, avec l'aide de Dieu, nous avons persévéré et dit non. Nous avons refusé. Dans une certaine mesure, notre refus a prolongé notre séjour en prison. Si nous avions dit oui, ils nous auraient libérés plus tôt. Et puis, ils ont fini par nous libérer. Ils nous ont avertis de ne pas nous rendre dans les églises des mouvements évangéliques ou pentecôtistes. Ils ont dit, si on vous trouve à nouveau dans une de ces églises, vous serez tués. Mais jusqu'à présent, par la grâce et l'aide de Dieu, nous continuons de nous rassembler clandestinement. Nous prêchons, nous servons, nous baptisons les nouveaux venus et nous étendons le royaume de Dieu. La douleur que vous subissez vous traumatise. Toutes vos pensées sont anxieuses. C'est ça la vie en prison. Quand nous étions dans cette souffrance, nous cherchions vraiment la face de Dieu. Nous prions. Parmi les quelques moments heureux de mon séjour en prison, il y a eu ceux où j'ai parlé à des frères qui ont accepté le Seigneur. Il y a même eu des gardes qui ont accepté le Christ au cours des conversations que nous avons eues. Ce sont mes meilleurs moments. C'est pour le Christ que je vis. Je le sers encore plus depuis ma libération. Quand je vois la puissance et la grâce que Dieu m'a donnée après, c'est encore mieux qu'avant la prison. Oui, l'Église grandit, malgré les persécutions et bien que les dirigeants de l'Église soient emprisonnés. Elle poursuit sa mission. La persécution n'a pas fait perdre à l'Église sa puissance. L'Église ne sera pas fermée. Gloire à Dieu. La lumière de l'Église brille. Son goût devient bon comme le sel. Au début, beaucoup disaient des choses négatives sur nous, les chrétiens. Mais quand les gens ont comparé ce qu'ils avaient entendu sur nous et ce que nous sommes réellement, ils ont vu que les accusations n'étaient pas vraies.
Il voit que nous sommes de vrais croyants. Il voit la pureté de l'Évangile en nous. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis ça, mais je sais qu'étrangement, ça a renforcé notre foi. La persécution affermit la foi. Dans l'épreuve, ta foi se construit. Ils ont tout essayé, mais ils n'ont pas réussi à ébranler ma foi. Ils ont menacé de me tuer, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont voulu chasser nos enfants, mais pourtant, je continue de croire. Honnêtement, quand ces choses sont arrivées, la mort de mon mari et l'attaque de Boko Haram, je me suis rapprochée de Dieu. Je dépendais totalement de Dieu. Je ne me suis jamais éloignée de lui. Je me suis fortement accrochée à Dieu. Il est devenu un père, une mère et un mari pour moi. Le désir de Dieu est que notre foi se renforce à travers cette épreuve. Notre foi, la mienne et celle de ma famille, est plus forte maintenant qu'elle ne l'était auparavant. Après avoir connu le Christ, Dieu m'a fait grandir dans la prison comme le feu purifie l'or. Dieu m'a donné une foi qui est comme de l'or pur. Je suis tellement reconnaissante qu'il m'ait donné la foi de ne regarder que lui et de l'aimer lui seul. और आपका मसीह एक है और हम दुआ के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि हम मसीह का बदन है खुदा आप पर हमारी मुश्किलात अयां करेगा और हमारी मुत्तफिका दुआ ही वाहिद हल है